Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour la Voix de l'Amérique entrer la caillou pour le présenter au programme radio sous télévision pour aujourd'hui, mardi 16 mai 2017. Là, dans le programme, ça n'a pas pour nous actualité à travers le monde avec un focus sur Haïti et sur les États-Unis. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizère. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Grand point qui a devenu actualité à Haïti. Augmentation prix gaz a continué à provoquer réaction dépamment dans le pays et nous va gagner position plusieurs acteurs dans la vie nationale. Et puis ici aux États-Unis, président Donald Trump rencontré avec président Tukla Recep Tayyip Erdogan dans le moment Conseil de sécurité spéciale la Maison Blanche là démenti information comme quoi président américain t'a passé renseignement top secret par ministre Affaires étrangères pays la Russie. Rencontre d'urgence jeudi à l'ONU sous test missile Corée du Nord. C'est pour ça avec l'autre encore que nous pourrons développer pour vous dans le journal là. Bienvenue tout le monde. Yon l'autre fois encore, bonsoir mesdames, messieurs. Haïti, opinion syndicaliste, chauffeur et passagers divisé sur augmentation prix gaz là. Syndicaliste, quoi, c'est une nécessité pour l'État haïtien augmenter prix gaz là et river stabiliser le sous-marché et sous-marché a et chauffeur et passagers bon côté. Par yon fait qu'on est l'État pas pensé à situation économique population, le prend yon décision comme ça. Reportage Florence Lisney. Syndicat transport public n'a pas montré aux trois dérangés par rapport à prix gaz lan qui montait sous marché local. D'ailleurs, en pile croit l'inormal pour l'État haïtien stabiliser question prix gaz lan, fini à causer subvention lan, et puis pour combler déficit budgétaire il la cause lan. Toutefois, faut que l'argent qu'a rentré a tourné à joindre population lan, sous forme service. Changer MEU, c'est un syndicaliste. Nous-mêmes en tant que syndicaliste, nous prenons responsabilité parce que l'État nous met problème et puis nous collaborer avec eux pour nous résoudre le problème. Syndicat pas politicien, mais ouais, nous-mêmes, c'est pour mais pour la vie nous changer et c'est ça que nous pas participation nous dans changer prix machine. En tout cas, augmentation prix gaz là pas rentrer dans sentiment chauffeur machine pendant yo dénoncer mais ça, chauffeur quoi, augmentation ça pral gen gros conséquences sur la vie population. Pour yo l'État haïtien pas prendre en compte réalité économique population dans décision ça. Nous pas vivre nos pays déjà qui chômage parmi ga fanyen là. Pour problème qui se pose là, pour nous avoir mouton gaz de nous là. On va exagérer. Il était 200 gouttes, parfois pas un monde, il n'y a pas 50 gouttes. Il y a 250 gouttes. Mais quand on a ouvert, mettre 5 dollars sur lui. Quand on a 25 gouttes, ça va être monné. Il y a un problème, il y a un passager, mélange avec chauffeur. Nous avons souhaité que nous fassions un petit passé maintenant pour nous plus parce que le pays a dit que nous n'avons pas besoin de 5 dollars pour mettre sous gaz pour nous. Même Jacques chauffeur et passagers ont manifesté des accords face à l'augmentation du gaz. Pour eux-mêmes, le gouvernement voulait tout pisser qui fait prendre une décision comme ça. Nous avons payé 5 gouttes. Matissan, les mouvé m'a payé 10 gouttes, soit m'a pris machine ou bien m'a tenu discussion à chauffeur. Et nous connaissons en économie, gaz à gon interrelation sur tout notre produit. Et gouvernement pas monter salaire ouvrier. Législation haïtienne nous dit le coût la vie à 12 à 15%, faut monter comme moun yo. Et nous connaissons qui est pas que ça va gagner sur la vie sociale ouvrier. Et nous dit gouvernement contre les bacs, sont des mesures impopulaires. L'argent machine, c'est une bagaille qui toujours mettait discussion entre chauffeur et passager. Ça qui poussait le ministère des Affaires sociales pas de printemps pour fixer prix couscous sous divers circuits. Mais ça n'a pas empêché les bouches l'ouvrir entre deux groupes. Mais plus toujours avec chauffeur moto, l'État n'a pas fixé aucun prix pour eux. Comme ça, c'est eux qui décident pour compte yo, sous prix, il y a fait passager au pays. Florence Lisne, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, toujours sous même dossier gaz là machanio passagero chauffeur taxi ak motocyclette yo pas cherche pas caché plutôt inquiétude yo après augmentation produit pétrolier dans pays d'Haïti. Correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel t'es parlé ak plusieurs là-dedans yo qui pas voulu montrer figure en suivre Manuel dans un reportage. 24 heures après mesure gouvernement prend pour monter prix gaz dans sur marché national là. Pompis, chauffeur et passager qui pas de paraître dans la télévision, la Voix de l'Amérique te pose question, fait qu'on ait augmentation prix gaz là, c'est eux-mêmes qui peuvent le payer pour casser. Citoyen Sao ajouté, yo bouquet parler alors que autorité ou pas jamais prend disposition pour soulager misère. Pour journée lundi, circulation, t'es un petit crash dense.
en pile monde a des difficultés pour jouer une camionnette malgré quelques pompes nous t'ai visité à fonctionner normalement contrairement à journée dimanche là. De l'autre côté, citoyens ont demandé pressé mesures d'accompagnement pour capable aider yo faire face à coût la vie qui a vinn piché. Chauffeur yo rete tout comme passager yo très prudent dans ce qui concerne fixation prix circuit yo notamment dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Chauffeur yo pour éviter litige avec passager touché avant yo déplacer. Parallèlement, il y a un gros bouche louvri entre chauffeur, taxi, moto et passagers, puisque l'État haïtien n'a pas fixé prix couslan pour motard. N'a pas rappelé, gasoline 95 l'an passé à 224 gouttes, diesel l'an 179 gouttes et puis kérosène l'an 173 gouttes. Prix ça yo entré en vigueur journée lundi 15 mai 2017 l'an sur tout territoire national l'an. Yves Manuel pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel et c'est là n'a mette fin à actualité à dans pays d'Haïti n'a propose avant nous retourner sous actualité à sous plan international. Dans l'actualité internationale, là, conseiller sécurité nationale états-unien H.R. McMaster déclarait jeudi matin information sous terrorisme et sous menace pour aviation internationale que le président Donald Trump a partagé avec diplomate russe semaine passée. Et bien, c'est une décision qui est appropriée, qui n'a pas dérangé sous renseignement États-Unis. Et général McMaster a déjà démenti nouvelle comme quoi le président a révélé une série d'informations extrêmement secrètes. Bah, ministre affaires étrangères russe là avec délégation là pendant qu'il était dans bureau ovale la Maison Blanche là. Ce journal Washington Post qui était premier la gué nouvelle là dans la rue et divers médias te vinn reprendre nouvelle là qui fait qu'on est président Donald Trump t'est dévoilé par ministre affaires étrangères Sergei Lavrov avec ambassadeur la Russie à Washington Sergei Kislyak y ont série d'informations moun considéré comme renseignement top secret. Président Trump a assemblé l'étape vanté tête li pour montrer ça qu'il connaît concernant une menace sous aviation civile d'après Washington Post. Conseiller sécurité nationale les États-Unis, général H.R. McMaster déclaré article qui paraît assuré à tant que journal l'a rapporté, c'est un article dans Foma Mythe. Président et ministre affaires étrangères Ousla t'a abordé toute une série de menaces communes pour deux pays, parmi eux menaces sous aviation civile. Il n'y a pas de discuter, sous méthode et sous origine renseignement dans aucun moment pendant la conversation. Et président, pas de dévoiler aucune opération militaire que le public là pas déjà connaît. Il y a deux autres responsables américains qui étaient présents, parmi le secrétaire d'État américain, qui songeait ça qui était passé dans la rencontre. La même gens, ils ont dit même bagaille. Déclaration officielle, pas de dépasser toute source anonyme. Et moi, j'étais là dans la salle, ça a dit, a pas arrivé du tout. Fin de citation. Pendant ce temps, dans un commentaire, président Trump fait sous compte Twitter, lui, bien bonheur, jeudi matin, il dit, il a essayé de parler avec la délégation russe là, sous preuve qui m'a connu avec terrorisme et sécurité dans vol avion, une façon pour exhorter la Russie pour renforcer lutte contre terrorisme, groupe État islamique là. Et puis, tako, nous avons dit dans le grand titre, jeudi, le président américain Donald Trump rencontré avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la Maison Blanche et on dit qu'on pourrait discuter sur plusieurs points dans l'actualité, notamment sur relations entre deux pays, sur problèmes qui gagnent dans Syrie. C'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qu'on y a, nous pourrait partager avec vous. Eh bien, l'autre station de télévision qui a prêté toujours dans l'actualité à Jean-Pierre Leroy pour nous dire que experts dans l'attaque cybernétique admettent qu'il y a une preuve technique qui est liée à Corée du Nord dans le cadre d'attaque globale qui fait avec virus ransomware là, bien que ce n'est pas une preuve qui fin clé nette. Cependant, Pyongyang a une capacité cybernétique sophistiquée et puis a bon genre raison pour remplacer les revenus les perdus dans le cadre de sanctions économiques qui a pesé sous Dolio pour moun considérer li comme un suspect possible.
Depuis vendredi passé, le virus a infecté plus passé 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Côté logiciel ransomware a paralysé usines, banques, agences gouvernementales, l'hôpital avec système transport et en commun sous toute planète Terre. Eh bien, Belize a retourné sous dossier Recep Tayyip Erdogan pour nous dire qu'une semaine après le président américain Donald Trump a provoqué colère dans la Turquie, il a été autorisé pour y armer Kurdes syriens. Eh bien, il recevra le président turc Recep Tayyip Erdogan jeudi matin dans la Maison Blanche et le président Trump précisé deux leaders ont supposé et gagné une discussion qui est longue et difficile sur relation entre deux pays. Le leader américain continue pour le dire, n'a pas cité, nous avons gagné une bonne relation et nous pouvons le faire plus bon toujours. Qui donc nous pouvons gagner une discussion très jam et très solide. Fin de citation, Belize. Mais il faut dire que le président Erdogan a déjà dit décision Washington pour armer YPGA, pas aller avec stratégie liée avec les États-Unis. Autorité turque continue pour dire c'est une décision, il n'y a jamais accepté pour utiliser groupe YPGA dans la lutte contre combattant groupe État islamique. Là. Cependant, M. Erdogan a dit semaine qui s'est passée là, visite dans Washington pour marquer un nouveau départ dans la relation entre la Turquie et les États-Unis. Leader turc là dit encore coopération entre deux pays très important pour le monde et pour une expansion de relations économiques et militaires entre deux pays. Les actualités internationales, là, en bref, en Irak, l'armée fait qu'on est li encerclé quelques militants djihadistes dans la ville Mossoul et que le groupe État extrémiste contrôlé seulement 10% dans la moitié ouest village. Là, général brigade Yawa Rasoul, un porte-parole pour opération tête ensemble dans l'Irak, fait qu'on est, je dis, un militant contrôlé Kounia seulement à peu près 12 km² terre dans l'ancien village après une campagne qui a fait depuis 7 mois qui vient États-Unis dans tête libre pour être terroriste dans Mossoul. Et puis un dernier point dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a pour faire une réunion avec toute porte fermée. Jeudi a sous dernier test missile Corée du Nord, un jour après l'été fin condamné lancement ça et menacé pour imposer nouveaux sanctions contre Corée du Nord. Conseil a été fait comprendre hier lundi à il paraît pour agir contre Corée du Nord à cause défiance et provocation li après demande li te fait pour suspendre tout test nucléaire. Dans une déclaration que tout membre a approuvé que la Chine a appuyé, Conseil a levé la voile pour exprimer tout caisse sautée sous lancement qui fait dimanche là que Pyongyang décrit comme un missile moins importé qui cabaye longue portée qui voyageait 787 km avant d'y plonger dans la mer Japon. Donc c'était Nouvelle Le Monde. Jean-Pierre Leroy nous parle passer qu'on y a dans les stations télévision dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France cap retransmettre programme noir. Et il faut nous dire que le programme après-midi à Radio sous Télévision, c'est un courtoisie, disons Radio Télé Guinée, chaîne 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, chaîne 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, chaîne 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, chaîne 22 dans Fort-Liberté, dans le département nord-est PIA, Radio Télé Idéal, chaîne 91 dans Port-de-Paix, nord-ouest, Radio Télé Papillon, chaîne 8 dans Ville-Gonaïve, dans la région Ola-Tibonite, Radio Télé Dynamique, chaîne 14 dans Saint-Marc, Radio Télé Seven Stars, chaîne 7 dans Hinche, Radio Télé Yaguana, chaîne 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-Okaï, programme après-midi à son coutoisie tout de Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Camperin, tout PK, et puis Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, chaîne 4 dans Jacques Mel. Et puis, il n'a dit tout qu'un télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, n'a dit tout Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, et Digital Cab 104 dans Cerca Cavajal, et puis qu'un télé H-Live dans Ville Paris, dans le pays de la France, ou capable de suivre télé H-Live tout sous canal 370 sous Freebox, canal 369 sous B-Box et sous canal 709 sous câble numérique Jean-Pierre Leroy.
Oui, on a retourné une actualité dans le pays d'Haïti pour actualité en gros plan pour nous dire que dans le segment spécial Apito Belize pour nous dire que le ministère économie et finance pays d'Haïti commence à appliquer une augmentation progressive sur le prix gaz là, une décision li prend pour mettre un bout à subvention li habitué fait pour produits pétroliers. Donc subvention qui déjà la cause état haïtien perdu 36 milliards gourdes sorti 2010 rivé journée aujourd'hui d'après ministère finance. Donc Florence Lisée a dit nous plus sous dossier ça. Actualité en gros plan. Octobre 2017, c'est délai gouvernement fixé là pour finir la question subvention gaz. Là. D'après annonce, ministre économie et finance, là, hier lundi, une subvention qui la cause, l'État haïtien perdit 36 milliards de gourdes sorti 2010 pour arriver journée aujourd'hui. Pour arriver à atteindre l'objectif, ça, Judas-Alex Patrick Salomon explique, sous chaque cargaison qui rentrait, l'État haïtien pourrait mettre une monnaie pour permettre de stabiliser le prix. Jean Droyer a aidé l'État haïtien fini avec subvention. La question de subvention l'a fini à terme, c'est-à-dire au 1er octobre, nous pas de gain subvention. L'idée, c'est que nous mettons en tête nous, que le prix est stable. Si le prix est stable, avons ajustement en 5 gouttes ou 6 gouttes à chaque arrivage jusqu'à ce que le fixe prix. Soubopal, ministre commerce et industrie a expliqué déficit budgétaire ça qui pourra le corriger et pourra le permettre l'État haïtien respecter plan développement li gen pour pays a. Pierre-Marie Dumeni explique ça pourra aider à répondre à problème population a faire face. Décision ça pourra permettre que l'État honore pour exigence en ce qui a vis-à-vis de population. Parce que l'État a un plan d'action, on est capable de mettre le plan d'action ça en œuvre, okay, nous avons besoin okay, que comme rentrer en dedans, en dedans caisse l'État. Toutefois, dans le niveau législatif, là, violon n'est pas trop bien accordé sur la question d'augmentation du prix gaz. Là. Député pour Salia, Sinal Bertrand, pas passé par quatre chemins pour faire comprendre ces classes qui sont pauvres, le gouvernement a tout pisé, l'aile montée prix gaz. Là. Le gaz à son produit transversal lié, on va l'affecter tout le reste produit sur le marché. Moi, je vais aller directement dans la grande assiette fiscale, il y a plusieurs autres bagages dans la douane, dans la DGI. Et services pour le gouvernement, bail pour l'ICAP, grand recette. Et il n'est pas obligé, c'est dans le gaz. Pourtant, député Kinskoff, il n'a pas eu comme ça. Même Jacques, ministre commerce, là, député Alfredo Antoine, croit plutôt augmentation prix gaz, là, pour permettre au gouvernement de résoudre divers problèmes que la population connaît. Le problème gaz, à mon temps, c'est vrai que la population elle-même, nous connaît que dans qui nécessité que vous ayez. Vous comprenez? Mais l'État n'a pas un problème pour le augmenter. La population va avoir un problème. La population a un problème. L'État a pris taxe sur eux et que le pas retourné sous forme de service. L'État haïtien a campé avec l'augmentation du prix gaz. Les rivières mettaient 75 gouttes sous prix d'un gallon de gasoline. C'est l'objectif. En tout cas, si l'État haïtien a tête l'idée octobre 2017 pour finir la question de subvention gaz, il a augmenté le prix à petit. En pile spécialiste, tant que économiste Eddie Labossia, l'État a utilisé l'autre moyen pour continuer à subventionner le gaz là, et puis soulager la misère de la population. Économiste l'a proposé une bonne réforme fiscale dans quelques boîtes l'État, tant que DGI avec la douane, et puis un audit sous compte l'argent Petro-Caribéa. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney. Florence Lisney, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. On va suivre un programme en langue créole haïtien sous la Voix de l'Amérique à peut mettre depuis Washington DC. Science à technologie. Un documentaire La Voix de l'Amérique avec Serge François Michel. Pas de doute que téléphone intelligent change gens nous vivent avec moun qui à côté nous. Malgré avantage qui gagne un téléphone intelligent en capacité li ba ou pour gain connexion rapide et facile avec l'autre moun n'importe qui l'est la journée qu'on la nuit, gain un problème. Voyez texte message ou bien SMS fait nous presque pas gain contact avec moun qui bo côté nous et fait développer une culture côté nous presque pas gain contact personnel vraiment avec personne. Comme ça, c'est tant qu'on n'a pas eu aucun engagement encore face à la société à pas de voyer SMS ou bien message sur Facebook. Quelquefois, gen moun qui raille la situation côté obligé à pas dorer tout le temps un petit appareil qui est le téléphone, mais qui pourtant bail en pile service qui pas travaille téléphone. Américain plus remèrent le téléphone portable mobile device.
appareils mobiles au lieu des téléphones, parce que c'est un ordinateur qui peut-être fait seulement 5 à 10% travail et un téléphone et 90 à 95% l'autre bagaille. Et c'est ça qui fait mon pas qu'à manquer comme ça dans tant qu'on est là. Qui donc, même là, mon envie jeter dans la mer et blier li et prendre un ancien téléphone flip phone, peser bouton Nokia, yo, eh bien, là, yo, ouais, toute nouveauté qui est dans le téléphone intelligent, yo, yo, ouais, c'est un mal nécessaire. Et à demander qui j'en moun te convive en vente et gain t'y appareil mobile ça. Par exemple, ti appareil ça arrivé changer relation nous avec médecin nous. Qui donc, peut-être, avant longtemps, soins santé qu'a pas s'allier, je n'ai jamais dit. Docteur Eric Topol, que moun connaît comme un meilleur cardiologue, qui donc docteur K, sous terre, pose question ça. Pour qui ça doit traiter moun tant qu'ou bœuf dans un troupeau? Il dit, au lieu de nous vider remède sous moun et traiter tout moun même genre, docteur ta doit apprécier ça qui fait chaque moun différent avec tout l'autre. Méthode pour guérir profession médicale là d'après lui, c'est bali bonjour appareil mobile ou bien téléphone intelligent avec meilleur app. Topol a participé dans un documentaire qui était passé sur chaîne télévision NBC. Côté, il montrait comment il changeait un téléphone intelligent pour faire le test cardiogramme. Comme ça, il a fait patient. Il a économisé $100 dans frais pour payer technicien. D'après un reporter NBC qui a fait documentaire, Agence fédérale américaine qui c'est administration manger avec médicaments, qui guettinant aux États-Unis FDA ou bien FDA, déjà approuvé depuis en 2013, soi-disant téléphone mobile ça, qui t'en couille un téléphone et que l'Ivan docteur pour $199. Topol dit, ces jours-ci, mon plus prescrit app, longtemps passé médicaments. Il dit encore, ou qu'a pris un téléphone portable là et fait le tourner au laboratoire. Avec lui, ou qu'a fait test sang, test salive, test pipi, tout genre de bagaille. Ou qu'a testé sien un téléphone. Ou c'est un appareil bien puissant. Médecine pour prévenir maladie dans l'avenir, pour pas seulement mettre plus pouvoir connaissance dans mes patients. Les poils tout permettre de gagner contact à docteur, n'importe là au besoin. Ce n'est pas seulement Topol qui parlait comme ça. Dans l'exposition qui relève Consumer Electronics Show, exposition appareil personnel mon acheté pour opérer pour Contio, John Healy t'a montré que l'industrie technologique a vidé en pile l'argent dans l'appareil médical. Méthode ça permet de travailler à la santé, détecter n'importe signe, problème, bonnet et réagir en vaille au plus grave. Ça facilite le traitement qui baille meilleur rendement. Pour qui ça, toute clinique docteur pas entré dans un système digital? Réponse là, dans yon mot, l'agent. Si vous touchez l'agent pour service ou bay dans clinique ou, pour qui ça, vous avez investi dans technologie avec méthode de travail qui fait au monde des mondes payer moins l'agent. Mais, ça pas obligé comme ça. Au lieu où bay moun broderie médical qu'on longe, mais longue, docteur t'a doué toucher, peut-être yon prend mesi qui empêche moun tomber malade et qui fait yon économiser l'agent. Il y a un nouveau modèle qui est nécessaire pour docteur faire l'agence, puis t'a touché pour gérer maladie chronique. Si bien que patient yo obligé faire moins visite dans clinique médicale, si bien moins traitement et comme ça gagne moins monde qui couche l'hôpital. C'est Healy qui parlait comme ça. Belle idée, mais il y a un récalcitrant qui est capable de faire comme ça, puis toi yové pourtant pas changer sur yo et quitter au d'ailleurs. Pour science et technologie, moi-même c'est Serge François Michel. Nous sommes côté science à technologie et au documentaire La Voix de l'Amérique. Donc Jean-Pierre Leroy, nous pratiquement arrivé dans la fin du programme. Nous t'aimerions rappeler quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Nous connaissons que l'augmentation du prix gaz là continue à provoquer réaction département dans le pays. Et nous avons eu l'occasion de partager avec les téléspectateurs quelques réactions qui sont bon côté chauffeur, bon côté machin qui a plein. Et il y a des gens qui estiment que c'est normal que l'État ait augmenté le prix. Donc, réaction au département. Oui, sur le plan international, là, rencontrer ce Conseil de sécurité Nations Unies sous dossier Corée du Nord, sous test missile balistique, là, donc c'est ça qui a donné actualité à tout. Et puis, bien sûr, aux États-Unis, rencontre président américain Donald Trump avec Recep Tayyip Erdogan, président turc, là, tout a dominé actualité internationale. Et puis, nous voulons saluer tous les amis nous, qui toujours saluent nous, que c'est dans le pays Chili, dans le pays Mexique, dans le pays Brésil, nous disons merci. Dans la technique, là, Mike Frank, Micha Dobensky,
et qui est encore à la quai, t'es là avec nous. Et puis Rob McLean était là avec nous dans Studio 18 là. Moi c'est Jean-Pierre Leroy. Moi c'est Jacques Lebelizer, qui a salué tout le monde et qui a rendez-vous demain pour notre programme même genre. Bonsoir.